Vite, je suis en retard. Vite, 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 vite. Ah, je suis en retard. Ouais, Dynamaz, il est là. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à à rejoindre la conversation. Bonjour à tous, en fait. Ils ont même pas démarré la conversation. Allô? À l'huile. Un. Deux. Trois. Ah, toujours le même qu'on attend. Décidément. Ah bah, mais ça c'était... Ça fait deux fois. Et dire que j'étais en retard. Je crois que j'aurais dû le prévenir que j'arrivais un peu plus tôt, peut-être. Oh, il va venir par arriver. Ouais. Tiens, il y a encore le bruit. J'ai l'impression que c'est ton casque, en fait, qui fait ça. Le bruit de sifflement, derrière. Alors ça, je peux pas te dire d'où ça vient. Je suis sûr que ça vient de ton micro, mais après, hein, c'est pas dérangeant, au final. Tant que c'est un bruit constant, c'est pas... C'est dès que tu parles, en fait, ça fait un truc, mais bon. Bon, bah, je sais pas. Et vu que j'ai pas le temps de tester notre manière de brancher le casque qu'en USB pour l'instant... Remarque, ça le fait moins que l'autre fois. Parce qu'il y a des fois où ça le fait pas. Dans ce cas-là, c'est pas le micro, je pense. C'est peut-être Discord, ouais. Toi, ça le fait pas, toi, quand on parle avec... Zergas. Non, moi j'ai pas de sifflement. En plus, il est vraiment fin, quoi. C'est un tout petit sifflement derrière, c'est pas dérangeant. C'est à cause du câble jack, non? Peut-être. Là, c'est mieux, non? Ça change pas, mais... Comme je te dis, c'est pas dérangeant, quoi. De toute façon, tu l'entendras dans la vidéo, quand je la mettrai. Tu verras un peu ce que c'est, mais... Bon. T'as pas intérêt à regarder vu que c'est jeu que je connais, oui. Ce qui se passe. Non mais juste pour voir le sifflement. Si t'as envie. Ouais bon, ok. Bon, attends encore quelqu'un, non? J'aurais pas dû lui dire que j'arrivais à l'écart, peut-être. Bon, je vais lui dire qu'on attend. Il va gueuler parce que j'ai dit à l'écart sur transport. Ah non, t'as dit peut-être vers l'écart. C'est vrai, on peut jouer sur les mots. Ah mais moi je peux être chiant là-dessus. Ah ça... Ça veut dire que t'es un chieur de service quoi. Si on te dit, dès que, si t'as le temps, tu peux ranger de la vaisselle, toi tu dis ah mais tu m'as dit si j'avais le temps. J'ai pas eu le temps. Bon, c'est plus une excuse à sortir quand t'as arrêté de sortir en général, mais bon, c'est... Ouais. Ah, il écrit. Il va me dire qu'il est au restaurant. Pute. Le salaud. Ah, ça c'est magnifique celle-là. Oh... Je vais lui répondre, j'ai dit peut-être. Oh, il était sûrement devant une vidéo, un truc comme ça. Moi, j'étais devant les Simpsons, donc pareil. Je vais te regarder les Simpsons, moi. Oh, j'ai commencé à regarder auparavant, puis je trouvais ça marrant. De base en plus. T'as commencé la saison 1 ? C'était saison 9 que j'ai commencé. Ok. Mais c'est. Au départ, je regardais ça, c'était des potes qui me l'avaient montré. Ouais. Puis j'avais honte, et je le regardais pas devant mes parents en fait. Parce que c'était assez vulgaire tout ça. J'avais quoi ? J'avais 10 ans quand je regardais. Ouais, c'est jeune, ouais, donc c'était voilà. Un truc, un déconseillé moins de 12 ans quoi, les Simpsons. Bon. Et du coup.
Mes parents ont évolué au niveau d'esprit depuis le temps, mais à l'époque, je suis sûr que ça leur avait pas plu. Non, le pire, c'est South Park. Oh, mais là, c'est la violence, quoi. Alors, lui, il fait autre chose. C'est bon, t'es là. Ah putain, ce casque me fait mal aux oreilles, tu peux pas savoir. Ah, ah. Bon. T'as trop grosses oreilles. Non, mais vivons mon micro, quoi. Ouais, ça, et alors? Bah ça m'évite d'avoir un machin qui écrase les oreilles, quoi, c'est chiant. Ah oui, oui. Le problème des casques à 20 balles. C'est ça. Ah, oui, sinon t'achètes un micro, un vrai micro, puis tu mets des écouteurs. Micro perche de reste, ouais, enfin, ça il faut... Le pire, je sais pas comment ça fonctionne ce truc. Tu branches des écouteurs en jack et tu branches le micro en USB. Bah, ça paraît bizarre. Mon micro. Bah, alors, tu fous ça sur une carte sonore. Mon micro principal, il est sur carte son de base, donc. Tu veux. C'est... Ouais. Alors, sauvegarder. Tu étais en train de jouer à autre chose. Je te précise, Franck, j'aime bien la Switch qui me dit. Ah, donc, j'ai à passer plus de 220 heures sur Fire Emblem. Du coup, là, je suis à 200 heures. Exactement. Ah. 200 heures. Ouais, mais tu l'as recommencé. Et ça compte pas les cinématiques, je crois, pendant le. Ah, mais cinématiques, je les passe maintenant. Donc, tu les passes. Les cinématiques, elles durent pas 2 minutes, les cinématiques. Hein. C'est 30 secondes de feedback, ça. Après, t'as peut-être eu des. Le jeu compte l'avancement. Toi, t'es resté sur place ou un truc comme ça, je sais pas. Peut-être. Je sais pas. Y'a des gens qui font ça. C'est uniquement quand t'es bien. Enfin, quand tu joues, hein. Dans le menu, ça compte pas. Dans le menu, ça compte pas. D'accord. C'est la Switch qui compte, peut-être. Bah, il suffit d'avoir deux méthodes de comptage différentes, et puis ça donne des résultats différents, quoi, à force, hein. Bah ouais, mais bon. Non, parce que bon, des fois que Franck. J'ai rien à dire. J'ai un jeu où j'ai plus de 400 heures, je crois, donc. Je vais te dire ça tout de suite. Je crois que c'est Dragon Ball, regarde Dragon Ball. Je suis peut-être à 300, 400 heures. Là c'est Pokémon Bouclier, je crois. Là. Oh, Pokémon Bouclier, j'ai pas tant joué que ça, hein. 70 heures à peine. 70 heures, je suis à 270 pour moi. Sur Pokémon Bouclier. Ouais. Breath of the Wild, je suis à 170, après CP à 60 seulement. Et Super Dragon Ball, ouais, là, d'accord, on est à 385, mais... Ouais, voilà. 260. Je savais. Ah bah, écoute. Je m'en rends pas compte. Je m'en rends pas compte. Très loin de la vérité. Hein. Je te jure. Clairement. Ah, mais c'est la violence, quoi. Hein. Ah ouais, non, mais... C'est vrai que je peux y passer des journées entières dessus. Je laisse le jeu allumé, des fois même, sans forcément y jouer. Du coup, c'est ça qui doit faire avancer le compteur, en fait. Ah, mais ça peut faire avancer le compteur violent, hein, et, hein, à ce niveau-là... Non, parce que je fais... En fait, j'ai décidé de faire tous les Pokémon du jeu disponibles en mode stratégique, tu vois. Essayer de les mettre dans une team. Du coup, j'essaie de placer tout ça. Du coup, bah, ça prend un peu de temps, quoi. Ouais, mais bon, j'ai fait... Faut pas mal réfléchir à comment... Voilà, comment agencer la team, tout ça. Est-ce que tu veux le mettre full attaque? Est-ce que tu veux équilibrer? T'as des Pokémon, t'essayes de les mettre, mais t'en as d'autres qui seraient meilleurs, mais tu te dis, ouais, mais... Faut lui donner une petite chance à ce Pokémon, c'est... peut être pas mal au final. Enfin... Le pire, c'est que je suis comme ça, quoi. Moi, je joue d'une manière totalement différente, quoi. Moi, je prends un Pokémon que je veux bien, puis voilà, yolo. C'est ça. Mais avec les DLC, là, les 30 Pokémon qu'ils ont rajoutés, j'ai fait une team de connards. Elle est battable. Elle est largement battable, si tu t'y attends. Ouais. Mais si tu t'y attends pas, tu te fais éclater. C'est tous les Pokémon qui ont été interdits depuis le début sur Showdown. Tu mets tous ces Pokémon-là. Si t'as pas un Pokémon qui peut te contrer, tu te fais éclater. Non mais, j'ai eu encore une team full cancer aussi, hein. Ah bah, c'est à peu près ça. C'est Kyurem Noir, Mewtwo, Melmetal, Hydragon, Zacian, et Necrozma avec l'autre absorbé là, le Sol Galeo. Uh-huh. Et ça, bah, je te dis, ça, quand ils sont en set stratégique, ça défonce tout, quoi. C'est... Ils allient à la fois attaque et défense pour la plupart. C'est mort.
Ouais, c'est la violence, quoi. Voilà. Si tu t'y attends, elle est facilement contrable. Sinon, c'est fini. Tu te fais casser. C'est ça. Oui, tu peux jouer tous les légendaires qu'en Uber et tu peux pas faire un Overuse. C'est ça. Mais quand tu fais les combats en ligne là, en 6v6, tu peux le faire, ça. Sur Pokémon épée. C'est pas du... Par contre, oui, les matchs classés, ça, tu peux pas. Ça. Tu peux pas prendre ces Pokémon-là. S'ils sont interdits, ouais, si tu veux pas. Ouais, enfin, ils sont tous interdits. À Paris Dragon et Daruma Chaudgalar, qui sont juste interdits sur Showdown. Je crois même Daruma Chaudgalar, je sais pas s'il est interdit. Je sais pas. Il Dragon, il ressemble à rien. Ouais, mais il est très fort. Enfin, surtout une de ses attaques, en fait. Bon, ben... Alors, t'as prévu d'être en jeu, ça regarde, mais t'es pas avec nous, hein. Tout à l'heure, vers les psychoquacs, là, quoi. Ah, t'es vers les psychoquacs, là? Ah, ouais. Ah, mais non, on t'attendait, en fait, là où on s'était déco. Ouais. Alors, on t'entend assez mal, par contre, à ouais, part si c'est moi. À peine, hein. Ouais. Non, bon, je t'entends à peine, hein. D'accord, donc c'est pas moi. Comment ça, on m'entend pas? Voilà, ah, là on t'entend. Du tout. Là c'est mieux. Ah non, ah si. Ah, là non. C'est un peu mieux, mais tout à l'heure on t'entendait vraiment en fond en fait. On comprenait ce que tu disais, mais... Et encore, hein. Et, bah vous montez mon son et puis c'est tout. Sauf moi, il est à 200%. Ouais. En plus, c'est en plus, j'étais loin du micro, donc... Bah... Ouais, c'est ça en fait. Alors déjà, c'est la faute du micro. C'est trop facile, ça. Ah, parce qu'on t'attendait, nous, on bougeait pas. Je parlais. Je meublais. Tu verras quand il y aura mon SMS, il débarquera. Alors, en général, les Pokémon, ils peuvent faire un poil. Si. Bah oui, hein. Tu vas... Du coup, c'est à Bonville, hein, Dynamaz. Il faut aller. Hop. Et tu montes tout en haut. Ah ouais, je vois, ouais, à côté de... Voilà. Vous avez prévu anti-brume ? Faudrait que j'aille chercher. Là, ça recommence, les gars, sans t'entendre plus. C'est ma connexion qui fait de la merde. D'accord. Ah bah bon, c'est le micro maintenant sa connexion. Bah ouais, comme vous la semaine dernière où ça coupait tous les 3 secondes. Alors. Bah moi ça allait. Bon. Ma porte est fermée, c'est pour ça, je précise. Eh ben, ils ont enlevé un truc qui était utile. Avant on pouvait enlever les CS, maintenant on peut plus. Ou Pokémon. Ah. Ouais, tant pis. On dit qu'on se trouve dans cette, c'est pour se faire par l'autisme ou quoi. Type de France. Et spécial. D'ailleurs, en passage, pour revenir dans d'autres régions, c'est Verchamp. Ah, c'est Verchamp. D'accord. Ouais. D'accord. Je cherchais. Un mec qui dit oui, pendant le bateau. Tu lui dis oui. Attends. C'est marrant ça. J'aurais pensé que c'était Free Mapic vu qu'il y avait le bateau pour aller au... à la zone de combat. Ils ont dit, on va être sympa. Ouais, putain. Oh, c'est dur. Ou joli berge aussi, ça aurait pu. Vu qu'il y a le bateau aussi. Et aussi. C'est vrai, ça. En fait, il y a pas mal d'endroits où il y a des bateaux ici. Bon. Ah, c'est vrai qu'en vélo, on peut pas rentrer dans ces herbes. Non, c'est trop haut, tout ça. Putain de racaillou. Ah, par contre, entre la coude et les pizzettes de Franck, on va s'amuser, hein. Ah ouais, ah non, ça bug moi aussi. Moi aussi, Nathan, hein, parce que moi, Franck, j'ai parfaitement compris. Ah, donc oh. Ça. Entre nous trois, là, c'est. La foire des connexions. Vive la France. Et vive la. Vive les SL aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Il manque que j'ai la fibre, putain. Ah, mais pareil, hein. Parce que là, en fait, pour avoir une connexion, on va dire, à peu près potable, c'est la question du téléphone. Autrement dit, ouais, c'est ça. À mort.
Voilà. Donc franchement, ça ne sera pas. Par contre, j'explique plus la fibre, c'est bien de l'avoir. Par contre, si elle est située à l'autre bout de ta maison de l'appart, ça va rien changer. Ouais. C'est faut être branché juste à côté, quoi. La fibre. Si oui, parce que tu la captes pas de loin. C'est la fibre, c'est juste que ses puissances étaient à côté, quoi. C'est tout. C'est comme une box. Au pire, tu fais un répéteur ou je sais pas quoi, enfin voilà. Un répéteur, ouais, mais ça va couper la connexion quand même, tu vas pas avoir tout. Ouais. Parce que ton répéteur, il est. Moi bon, j'ai des répéteurs de 500 mégas. Il n'y a plus forcément de prise d'internet sur les PC. PC portable. Ouais. Franchement, j'aurais pu foutre une prise, enfin juste les. Il y a les câbles internet qui passent par le plafond, bah ça aurait été assez pratique, mais. Bah, moi mon PC il peut. Bon, en fait, je déplacerai tout simplement mon PC vu que c'est un PC portable. Ouais, aussi, ouais, mais quand tu es tranquille. C'est vrai que vu que je vais m'acheter un PC fixe, peut-être. Quoi, ouais. Là, je pense que là où je vais aller, là où je vais déménager, ouais. Je pourrai jouer en journée carrément. Ce sera beaucoup plus simple, en tout cas. C'est vu que je joue au film, quoi. Parce que là, vu que tout le monde va de son côté dans ma famille, là, tout le monde se sépare. Ce sera beaucoup plus simple, il y aura moins de personnes sur la connexion. Ouais, ce serait plus évident. Bon, je sais pas vous, mais moi je combats tout ce que je peux. Hein. Par tous les petits dresseurs, tout ça. J'explore les herbes sauvages. Hop, et tour à tour niveau 41. Ça c'est fait. Il ouais, y a que Roserad qui est à fond. Ah bah, mon tenter à passer de niveau 42 et plus donc. C'est quoi le prochain champion? C'est Tipassier. Faudrait que. Ouais. Tipassier. De Tipassier. Tel un archéodonte de Tipassier. Oui, du coup, à lundi, c'est pas possible pour le jeu parce qu'il y a Fibre. C'est pas ça. Ah. Sur. Sur quoi? Pokémon Celtic Platinum. Ah, il revient lundi? C'est tous les lundis, son truc? Je sais pas, vu que j'ai pas regardé le premier, du coup, bah, j'ai pas. Le temps que je rattrape tout, j'aurai pas le temps. C'est ça le problème avec les lives, c'est que j'ai tellement de lives à rattraper que. Des journées live entières. C'est ça. Mais des fois, je me tape des lives toute la journée. Même quand je suis au boulot. À mon poste, là... En même temps, tu payes à rien foutre. Non, c'est pas vrai. Je surveille. Il se passe absolument rien. Eh, aujourd'hui, j'ai eu une alerte bagage suspect. Donc on a dû faire venir les démineurs, tout ça. Comme ouais, quoi, des fois, il se passe des trucs. Hein. Quoi. Voilà. On a fait venir les démineurs. Ils ont fait exploser le sac. Tu vois des culottes et tout ça qui volent, mais y a rien. Je trouve ça toujours marrant. C'est arrivé que deux fois depuis que je travaille, mais tu vois des trucs voler. C'est un spectacle. Dans tous les cas, ça désamorce le truc, donc ça fait une petite explosion et ça condense l'explosion qui aurait à l'intérieur au cas où. Je sais pas, je comprends pas leur technologie à la con. Je m'éloigne généralement, quand même. Mais c'est quand même mieux. Je préviens et puis je me casse. De toute façon, on m'a dit dès qu'il y a un problème et que t'as prévenu les autorités, tu n'es plus agent, tu es civil. Plus ton boulot. Donc c'est plus ton boulot, tu donnes ton boulot aux autres, t'es plus responsable. Dès que t'as prévenu, tu te barres. En gros, ton boulot, c'est de pas avoir boulot. Mon boulot, c'est de prévenir qu'il y a du boulot. Quand il y a un problème. Sinon, après, j'aide quand même les gens. Ouais. Par exemple, il y a les ascenseurs, les gens ne peuvent pas les prendre tout seuls. S'ils sont handicapés, des trucs comme ça, je dois les accompagner ouais. Intérieur au cas où il y a des problèmes ou un malaise ou un truc comme ça. Tu en gros, tu gagnes tout faire. C'est ça. On est tous des hommes à tout faire, au château. Fais le ménage,
Bon, on touche pas aux œuvres trop chères non plus pour me nettoyer, mais au moins le sol et tout comme ça. Déplace des trucs. Alors, on engueule des gens. C'est quand même pratique, hein, parce qu'il y a du brouillard. Ouais. Après, bon, le brouillard, il est pas si épais que ça, ou alors c'est parce que c'est sur PC et du coup, on voit mieux. Bah, si. Parce que sur DS, je me rappelle que c'était chiant, mais à un point. Alors que là, bon, je vais faire anti-brume, mais. On voit quand même, quoi. Ah, il faut anti-brume, il faut coupe, il faut. Non, mais moi, le Pokémon SCS, je faisais pas des CS, je le mets pas sur le Pokémon Amant parce que c'est chiant comme les CS, quoi. Ils sont pas forcément plus efficaces. Ah, il y avait même pas besoin de coupe. Il y avait rien là-haut. Il y avait quelque chose que j'ai raté, tant pis. Je trouve les CS, c'est l'un des. Enfin, c'est à la fois une bonne idée à la base, mais c'est un truc mal réalisé de l'essence même, quoi. Bah, de base, ça aurait dû être comme maintenant, quoi. Un objet qui t'aide plutôt qu'une attaque à apprendre au Pokémon. Ou alors, au moins, les mettre d'un type différent, quoi. Genre coupe, tu peux le mettre de type plante. Ça, ouais. Ça serait plus logique. Enfin bon. Puis c'est sûr, il va falloir attaquer un peu plus puissante, on va dire, quoi. Parce que. Surtout que c'est de l'utilitaire, quoi. Donc t'es obligé de l'avoir dans ton équipe. C'est super chiant. C'est pour ça que maintenant ils ont remplacé le truc. De toute façon, tout le monde s'en plaignait. Donc... En bas. Je pensais qu'il y avait les CS Slave d'ailleurs. Genre Nidoqueen, Ronflex, tout ça. Les Pokémon qui peuvent prendre toutes les CS. Et en gros, les Pokémon ils servent à rien derrière, quoi. C'est ça. Pourtant, il serait utile avec d'autres attaques, mais. Alors, mais non, j'ai l'impression d'entendre la voix de Zergas, mais. Pas du tout. Pas du tout. Les potions, là. Tiens, on va le faire balader un peu, lui. Un petit combat double. T'arrives à suivre Dynamax du coup? Ah oui, enfin. Bon, ouais, peut-être loin devant, remarque, je sais pas. Ça se trouve, c'est nous qui te suivons. Non, c'est moi qui vous suis là. Putain, je sais ce que j'avais oublié d'acheter. Des potions. Oh, on va faire ça jusqu'au bout, hein. Des repousses, des potions, non? Ah, j'ai plus de potions. Ah, des potions, ouais, voilà. Moi, je vais repousser des potions. Aïe, aïe, aïe. Type plante sur Tritosaur. Ouf. Pourquoi ai-je mis... Putain, je suis trop con. Ah. J'aurais dû mettre Roserad. Je mets un Pokémon Roche sur un Pokémon O. Ah oui. Ah, c'est des choses qui arrivent. Bon, le Pokémon O, c'est Léviator, donc je me disais, je vais lui faire ton broche. Pouvoir antique. Ça pourrait passer. Normalement. Putain, il me manque un Pokémon avec tonnerre. L'attaque électrique, au moins. Putain, mais ce Léviator, il a tout pour gérer les Pokémon qui le font chier, en fait. Ça m'étonnerait même pas qu'il essaye, ça. Si, ça te ferait du mal à mon Muxio, ça, hein. Ça me serait plutôt. Ah bah, tu me diras. Non, remarque, tu seras plus rapide que lui, donc t'auras pas ce problème. En gros, t'as que... Effet négatif. J'ai entendu effet négatif. Réfléchissez. Ouais. Effet négatif. Vous avez 3 heures.
si tu m'entends. Ouf. Je sais pas si tu m'entends bien. Ouais. Si, un ouais, peu. Ouais, ça va. Ça va, là. Tu n'as pas bras, donc pas de main. C'est point glace. Non, c'est croc glace qu'il a. Moi, c'était point glace. Ah ouais? Bon. Ah ouais. Bon. Oui, pourquoi pas, je... Il a... Sa main est à l'intérieur de sa bouche, c'est pour ça. Il ouvre sa bouche en grand, il te fout un gros point dans la gueule. C'est trop original. Ou alors son point, c'est sa bite. Et il a une attaque, ça s'appelle Fisto Point. Oh. Ah mais ça c'est beau. Vraiment que j'aille faire un tour à Kanto, un truc comme ça, et que j'achète des CT. CT intéressante. Ça pourrait être un bon plan pour moi parce que... Bref, si j'avais revisé peut-être avec Pokémon, ouais. Parce que Cassius pourrait être intéressant pour lui, bout de feu, ça serait bien, mais ça serait chiant d'un autre côté. Bout de feu, ça te vous attaque, non, je crois, ouais. Ça m'enlève des points de vie, en fait. C'est très puissant, mais ça m'enlève des points de vie. Ah ouais, je fonde avec... C'est comme Bélier. Avec une toute attaque, ouais. Fonde avec Nitro Charge, peut-être. Ouais, je fonde avec Nitro Charge, ouais. Parce que j'ai roue de feu, mais j'arrive même pas à one-shot un insécateur avec. Alors là... Qu'est-ce qu'il m'a fiché à ce moment-là, c'est pareil. Il a quoi comme... Alors, il n'y a aucune modification statistique. Ses EV d'attaque sont pratiquement à fond. Je comprends pas comment il a fait pour ne pas one-shot un insécateur. Ça, je peux pas te dire. L'insécateur n'est pas connu pour être défensif. Cizayox peut-être pas un insécateur. Et encore, Cizayox n'est pas connu pour être défensif. Pas tant que ça. C'est statistique. C'est... ouais. Qu'est-ce qu'ils ont dans les Pokémon aujourd'hui? Ils font pas de dégâts. Ça c'est parce qu'ils aiment pas leur nom, ça. Fermeté, c'est chiant. Je sais pas où vous êtes, mais moi je suis loin. Ah oh bah écoute, je galère sur un tar énorme. Ah oh, bah moi je suis sur le fini, un tar énorme. Hop là. Sur lui. En même temps, j'ai fait le choix d'une équipe. La moitié d'équipe est juste défensive. Et l'autre moitié n'a pas les bonnes statistiques. Ah bah moi je te crois pire parce que je suis pas du tout au petit strat hein. La personne l'air. Ouais là, pour l'aventure j'ai pas franchement optimisé. J'aurais pu faire mieux. Peut-être qu'on se fasse un combat. Peut-être que quoi? Un combat. Ah. Un combat? Bah, quand est-ce que tu veux faire ça? À voir. Parce que là, on n'est pas optimisé, comme on dit. Alors, à part si tu veux faire ça avec nos teams comme ça. Ah oui. Il faudrait qu'on monte nos Pokémon à fond de ce qu'ils peuvent atteindre pour le moment, peut-être. Comme le 10, hein. Ouais, c'est vrai, on faisait des combats tous les 3 champions. Il a manqué un Pokémon, je suis que 5 Pokémon pour 500 avec le 6. À la 5ème arène. C'est trop bon. Pour une 9. Ouais. Ouais. J'ai que 5 Pokémon. Ah, mais c'est pareil, moi j'ai que 5 sur mon équipe de finale 6, quoi. Le
Bah voilà. Mais ils sont pas à fond pour le moment. Ah non. Pas à fond du niveau qu'ils peuvent atteindre maintenant surtout. C'est quoi, c'est 42 Pas rapidement, ouais, mais. Pour l'instant, ils sont pas. T'es dans la ville d'Argas là? Non, t'es juste là. Allez, dégage-toi. Honte folie, ça y est, on va me faire chier. Ah, mais on est bien les chieurs, hein, on est bien. Ouais. Ah, oh, bah ça va, ça passe. Je vais peut-être pas le mettre KO. Je crois que pour mon anniversaire, j'ai demandé à ma chérie des t-shirts Fildong. Le Axe n'a pas joué, je lui demandais, tiens. Qu'un dresseur avec un skin de samouraï. Ah. Il vient de se barrer. De se déco ou de se barrer? Partir. Barrer. Samouraï. On vient de battre un ninja et on obtient une boule fumée. Ah non, je voulais pas faire ça. Et voici des Pokémon oiseaux que je déteste tant. J'ai qu'un Pokémon Roche pour les gérer. Ah bah moi j'ai mon lustré. Peut-être falloir. C'est pratique, hein. Aïe. Ouais. Faudrait peut-être un Pokémon glace. Allez, aéro piqué, dégage. Ouch. Le papy a dit que c'était son dernier combat avant de prendre sa retraite. Pour moi, c'est définitivement. Par contre, être joli c'est bien, mais c'est pas sympa. Allez. Un anti-glace. Est-ce que je vais le one-shot? Non. Et tu dégages, merci, au revoir. Oh le casque brut. Oh la poudre de toi, vas-y. Ah là là. Ah, y'a Bobo. Ah. Ah, Bobo. Elle m'a mangé. Alors, Bobo. C'est marrant, on est tous les trois en même tout maintenant. Moi, j'ai le temps d'aller dans la ville, aller à Bobo chercher des potions pour revenir. Tu veux. Ah non, oui. Y'a Bobo. Tu pars. Hop là, dans la ville. Et Mustébé, il avait un Pokémon de chaque type, quand même.
Ah. Alors, deux petites secondes. C'est quoi? Pas moi. Un personnage qui voulait plus bouger. Darkali est en ligne. Ah, tu vas à Rocco, ça? 4G. Non, on va faire la 4G pour le jeu. D'accord. Tu bugs de trop? Bah, peut-être que ça améliorera les choses, je sais pas. À voir. On verra. Qu'est-ce que je voulais faire, moi? Donc, du coup, enceinte. J'imagine que oui. Mais bon, on va bientôt le rencontrer. Je pense pas que ce soit utile. Oh. Un Blizzy Shiny à 3 millions. C'est 3 millions quand même, hein. Attaque spéciale 31. Ah, mais il attaque et pas attaque spéciale, c'est Pokémon. Si c'est pour un shiny, autant le chasser moi-même. Même si ça prend des années. Ah, lui, il attaque. Mais il est à 5 millions. Alors, c'était pas lui. Donc, il est à 4 millions. Oh, moi, le temps que je monte à 4 millions, de toute façon, il sera déjà parti. Capillon, en fait, c'est une somme que je pourrais jamais avoir dans le jeu, je pense. Sauf si tu farmes tous les jours les champions. C'est ça. J'y suis arrivé une fois. Ça part vite. Hein. Bah, c'est faisable hein, si tu soignes pas tes Pokémon pendant les combats. Moi, j'ai pas besoin de les soigner quand je combats généralement. Ouais. Du coup, tu te fais 10 000 à chaque fois quasi. En fait, le plus chiant, c'est de changer de ville, d'avoir un Pokémon qui a vol dans ton équipe et qui est aussi utile en combat, surtout. Ce qui est pas mon cas, moi, particulièrement. Voilà, c'est ça. Généralement, je me trimballe avec un Dracaufeu à la con, qui sert à rien. Ah, moi, voilà, j'ai pris mon carnage de Kanto. Il a vol, donc... Vous êtes quel canal, juste? Canal 1? Ouais. Ah bah, suivant, je dans le moins. Ah, ils sont là. Ouais. C'est lequel celui-là? Niveau 33. De toute façon. C'est celui-là. Je sais où il est. Eh ben. Bon, par quoi je vais le remplacer? Il y a un logiciel de montre Pokémon dans la maison à gauche. Utilité sur 20, messieurs. 0. Mauvaise note. Ouais. Ah, c'est quoi déjà ça? Ma capote d'acier, je crois que je vais la laisser de côté. Putain. Ça sert pas à grand chose. C'est quoi? Ah oui, c'est la boutique ça. Ah mais ils vendent les mêmes choses, c'est con. Ah, c'était pas comme ça dans le jeu de base. Ils vendaient pas ça. Ah. Ils vendaient des genre des super racines, des trucs comme ça, mais pas les objets de boutique habituels. Ok, ça j'ai. Ça faut que j'en rachète. Les hyper, j'en ai 9, ouais. J'ai des chronos. Et lui, il vend... Et il vend des élixirs, d'accord. Il est vachement bon, sauf en vitesse, tant pis. C'est pas un Pokémon connu pour sa rapidité, après tout.
Qu'est-ce que je prends comme autre objet ? Pas très passionnant pour le moment, mais il faut que je trouve. Niveau 33, il va falloir l'entraîner. Il y a les dresseurs à gauche. Tu vas aller les faire avant avant l'autre là. Pourquoi pas. J'arrive à prendre mon Pokémon qui est 4 rocs, mais je sais pas, son Pokémon c'est rapide. Oh. C'est un vieux Pokémon de CS. Remarquez Blizzard, je suis en train de regarder là, il a autant d'attaques que d'attaques spéciales. Ça m'étonne de ce Pokémon. Mais je crois qu'il est surtout de type glace et plante, ça me semble. Oh, mais c'est horrible ça, le type glace et plante. Je type l'un des pires types au monde. Voilà, non, c'est l'un des types pires au monde. T'es ouais. Faible face au feu, face à la. Face à la. Au vol, face à la roche, l'insecte, l'acier, t'as tellement de panoplie de faiblesses. Le sol aussi, je crois. Non, ça le sol y résiste. C'est un des rares tués. Et par contre, il résiste beaucoup pas, ça aussi c'est chiant. Mais bon. Je le prends parce que c'est un Pokémon que j'ai jamais pris en fait. Je prends que des Pokémon que j'ai jamais pris et c'est que des Pokémon de merde, donc bon. On voit la différence quoi. À part Roserade et Charcos. Je me retrouve avec un Corboss qui se retrouve à attaque spéciale alors que normalement il n'est pas. Enfin. La routine habituelle quoi. Alors lui il va nous apprendre atterrissage. Non. Gonflette. Boost. Ok. Oh le bâtard. J'ai esquivé l'hypnose de bœuf.
Ils ont quoi ces Pokémon à endormir là aujourd'hui? Non mais c'est du cancer. Par contre, j'aurais pas forcément tout la team niveau 42 pour l'arène. Bon, ça, on a le temps après, à part si vous voulez faire l'arène aujourd'hui. Parce qu'on va faire quoi là? On va battre Helios. Et ouais, et après, on va aller à Joliberge, donc ouais, on aura limite le temps, je sais pas. Ah non, faut peut-être faire l'île, l'île avant. C'est pas grave, récupérer un Pergio. Ouais. Ou de m'acheter un, mais vu que. Je peux en acheter un avant d'être arrivé sur l'île, parce que même si ça peut. Oui, mais. Ah, ça voulait quoi ça? Très vite, tu vas dire quoi? Nye. Ça parlait de faire l'île de fer avant? Ouais. Ouais, bah de toute façon ça fait l'XP. Hein. C'est pour ça. Parce que vu que c'est mieux peut-être d'être non, niveau 42 pour faire c'est le champion. Bon, comme tu veux. Pour ceux qui veulent choper des Lucario ou des. Ah, moi je prends, hein. Ce Lucario il va être merdique, il va avoir 15 partout. Mais. De base, Lucario c'était mon Pokémon favori. Parce que je le trouvais stylé, mais depuis que je fais la stratégie Pokémon, je le déteste. C'est une merde. Ah bah. Il y a tellement de faiblesses. Enfin, il y a tellement pas de résistance, surtout. C'est pour ça que je fais pas forcément stratégique, moi. Je peux se permettre de faire un peu de mal que je veux, comme. Mais après, ça n'empêche pas que je le trouve stylé. Sa façon de combattre et tout ça. Surtout son aura sphère, quoi. C'est le Pokémon qui a instauré l'aura sphère, quand même. C'est quasiment la signature, quoi, les Pokémon. C'est ça. Puis après, t'as eu Palkia et Dialga qui l'ont appris. Puis Mewtwo. Puis Mew, plutôt Geekis. Plutôt Geekis. Bon, bah, je vous attends pour aller voter le cul d'Elio. Mais j'arrive, on arrête. On va une seconde. Ah, j'ai une crampe. Ah! Comme attaque, lui, déjà. Ok. Sous la grêle. Le blizzard s'arrête jamais, non? J'en sais rien du tout. Il me semble, non? Je sais quoi, plus du tout. Quand t'as la grêle qui tombe? Ouais. Il me semble que ça s'arrête jamais, le blizzard. Quand il y a la grêle qui tombe. Je crois que ça rate. Sûrement. Parce que dans ce cas-là, avec Blizzy, ça peut être une bonne idée. J'arrive. Ok. Let's go. À part si vous voulez prendre une photo, mais bon, devant les fresques. Non, ça. Allez, c'est parti. Non, ils vont encore me faire le rond de folie, celui-là. Je le sens d'ici. Ça n'a pas manqué. Moi, je l'ai pas eu, hein, pas fait. Je vais la prendre. Rond de folie. Putain.
ont tous des Pokémon casque, et toutes les teams elles ont un Dossier Alto. C'est... Et évidemment, je me suis pris mon coup, c'est parti. Allez, gros poison, je suis empoisonné, c'est bien, je cumule. Oh putain, moi, je suis passé au travers de toutes les confusions, c'est bon. Ah mais non, mais moi, il se tape, hein. On appelle ça le karma. Ou la chance. Ou la chance. Bah alors, c'est une chance très malchanceuse, hein. Ça veut rien dire. Allez, attaque-le, s'il te plaît. Ouais, terminé. Oui. Pareil. Il y a la mamie qui vient voir. C'est ma petite fille. T'as-tu pas allé voir dans les ruines et voter le cul de l'autre vieux là? Je te donnerai surf. Ah d'accord, on l'affronte. Ah ouais. J'ai les amis, c'est celui-là. Ah, cette musique. Toujours bien. Ça par contre... Hein. Asta. Il y a toujours au moins une musique de bien dans le jeu. Là, dans Épée Bouclier, c'est la musique de Rosemary, moi que j'aime bien. Rosemary et chez Rose, ils sont pas mal. Ouais, chez Rose. L'opéra dramatique là de chez Rose, elle est pas mal. Après, le reste, c'est vrai que c'est assez anecdotique. Hein. Y a Olena aussi qui est bien, je trouve. Hop. Mais tu l'affrontes juste une fois. En plus, c'est pas marquant parce qu'elle apparaît comme le boss de la tour, mais tu le roules dessus. C'est à peu près ça. En plus, ça te gâche ton plaisir parce que c'est en plein milieu de la Ligue Pokémon. En fait, dans ce jeu, ils ont tout fait pour te frustrer. Ouais. C'est-à-dire qu'ils te font aucun scénario jusqu'à la fin, et en pleine ligue, ils te coupent. Ah, scénario. Bah, c'est à peu près ça. Hein. C'est ça. T'as le Dossier Alto, il a fait personne n'aura mon XP. Il s'est suicidé sur ma gueule. Et c'est ça, m'a tué. C'est qu'il n'y aura pas ce con. Ah. Tiens, on a perdu Dynamaise. Ouais. Comme quoi, c'est pas comme... Ah non. Putain, ça le tue pas. Ouais. Lequel? Qui ça, hein? Une attaque électrique, ça le tue pas. Sur Dossier Alto. Je suis toujours sur Dossier Alto depuis tout à l'heure. Il est bulky. Moi, il a résisté à une attaque roue de feu de Simiamras qui est max attaque, pratiquement. Et à la base, c'est un Pokémon de 5 seulement, c'est... J'adore être gelé. Et moi, je suis poison. Je préférerais être poison. C'est un choix qui se défend. Yo, bien dormi? Ah bah, alors, tout en connexion, et donc moi. Son tour. L'autre fois, c'était moi. Non, c'était à la fin, donc ça va. Là, toi, c'est en plein milieu. Alors, moi, faut dire que je suis en Wi-Fi sur la DSL et ma mère regarde. Le truc sur la box. Ouais. En plus, la box, il prend sur la connexion internet, est-ce quoi? Bah, oui, parce que la télé, tu sais, ça prend généralement 600 MO de ta connexion. Donc, elle retrouve avec une connexion qui est assez instable des fois. Voilà. Bah, moi, vivement la fibre. C'est pas mieux. Non, mon son il a baissé là. Ah putain. On va pas aller loin. Il fait atterrissage, moi j'ai les restes. Un combat de Pokémon cancer.
Oh, un petit laser glace, on n'en parle plus. Je vais finir par faire bizarre, mais il faut que je change de Pokémon. Ouais, je rentre confus à un moment, je lui fais vibrer à quoi. Ça pourrait arranger les choses. On profite de la musique. Allez, pick un Pokémon. Mais évidemment, ce sera le cancer. Allez, à moi, ça s'il te plaît, merci. Putain, j'arrive pas à le rendre confus. Je vais rendre des points de vie à mes Pokémon. Hop. Un petit rappel. Hop, terminé. Hop, moi c'est à l'instant. Bon, si il me faisait pas chier à faire atterrissage tout le temps, ça ferait longtemps que ça serait terminé. Alors au final, j'allais me débrouiller mieux que toi alors que j'ai l'équipe pour qu'on n'a pas de stratégique. Ah non, c'est ça. Et en plus, je suis arrivé avec un gros retard sur le combat. J'arrive pas à le paralyser ou à le faire. Ah mais moi j'attaque simplement, pour l'instant j'attaque, je bourrine hein. Ouais. Pas bourriner. Il va comprendre ce que c'est bourriner. J'envoie mon fist dans la gueule. Dans le cul pardon. C'est vrai que les fists ça va pas dans la gueule. Bah ça va être du cul. Ouais, exactement. Ah puis bon, ça veut... respect. Ouch. Allez, Celestia, ça dégage. Quelle sale pute. Attends, j'ai envie juste de faire Wallarock pendant ce temps-là, moi. Oh, vas-y, fais-toi plaisir. Ah, il est plus rapide que moi, là. C'est vrai qu'il est pas rapide ici. Mais bourrez-le, au pire. Ah, mais j'ai aucun Pokémon qui peut le bourriner, il one-shot tout après. Et sinon, il va faire atterrissage, comme un bâtard. Oh, remarquez, ça passe. Ça arrive tellement brûlé, moi, au final. Oh putain, il est plus rapide que moi. Tonnerre, on peut s'acheter un peu acheter sur Kanto, non? Tonnerre, oui. Tonnerre, ouais, au magasin de... Je sais plus quelle ville, Kanto. Sûrement à Carmin-sur-Mer. Ouais, ça. Ah, il est enfin confus. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'il loupe son attaque. Putain, il a loupé, ça y est. J'arrive. Corbeau de cul. Ah mais moi j'ai dégagé avec l'attaque... C'est... Quoi le nom de... Cette vie attaque... J'ai dégagé l'étincelle ou moi, Corbeau. J'ai pris l'étincelle par mon lustrette totalement. J'ai pris sur le marché roquette, mais pas non plus. Marché roquette. C'est bon ça, quoi. C'est son nom, le stand. Hein. Bon, bien sûr, ils essaient de maquiller un petit peu. Ouais, c'est ça. Ils essaient de faire beau, joli, tout ça. Mais c'est bon ça. Ils savent ce qu'ils leur ont réellement, tu vois. C'est ça. C'est un complot. Quand on a besoin de faire. On sait où les faire. Voilà. C'est horrible de dire ça en vrai. Non, mais c'est pour sauver des petits Pokémon, écoute. De quitte à les acheter, hein. Comme des esclaves. Voilà.
imagine ça, Nuzlocke, tu achètes un Pokémon pour qu'il se meure sous tes ordres. Imagine plutôt dans une ROM hack où justement c'est bien hardcore. Genre hein? Pokémon Insurgence par exemple. Ouais. Ah ça, putain. Je l'ai jamais fait mais c'est... Ouais, je l'ai fait moi mais ça va. Ça pourrait être pire on va dire. Par contre, on dirait que pour danser, il va falloir Equetrock, non? Je crois que c'est... Oui, il va falloir force, il va falloir plein de trucs de toute façon. La force, on va aller le récupérer à Jolibert, de toute manière. L'île de fer, ouais, faut tout, hein. Faut tout prendre. Yep. Oh, bah c'est chiant, j'avais une équipe minée, moi. Et vous êtes parti à féliciter, du coup? Non, moi je suis juste encore Wallerock, histoire de faire 2-3 combats contre les types combats. D'accord. Un combat. Moi pour ça, je suis ici en train de. On va voir là, hop! Je vais me soigner, puis j'arrive. Allez, je change mon Pokémon Supreme contre mon Pokémon Cavol. Hop, je vais vers Félicité du coup. Allez, c'est parti aussi. Puis on attend Zergas. Tranquillement. Bah ouais, je défonce des champions, oui, au passage. Mais... Des dresseurs, quoi. Ils se rebattent, les gars, dans l'arène? Oui, bien sûr. Je savais pas. L'autre fois, j'étais dans l'arène d'Azuria, ils voulaient pas se rebattre. Bah écoute, là... Moi, non, pas dans l'arène d'Azuria, dans l'arène de la championne plante. Bah si tu le fais tout de suite après, ça marchera pas, mais... Non, c'était pas tout de suite après, mais... J'avais fait le champion Pierrick, ils avaient voulu se rebattre, c'était étonnant. Mm-hmm. Puis ensuite, j'avais été à Vestigion, ils voulaient pas. Ouais, Vestigion, je crois qu'ils veulent pas se rebattre, j'essaie aussi, mais... C'est un petit bug, ils veulent pas se rebattre. Il a surf, lui. Yes. Hop. On a Quali, hop. Je vais voir s'il ne rentre pas des CT dans ces trucs-là. Alors attends, ça va être drôle. On va aller dans le bâtiment de la compagnie des Pokémon. J'ai même pas été chercher celui que tu m'as dit. Mais oui, t'as pas ça, on va être récompensé. Cherche connexion. C'est pas celui-là, je crois que c'est l'autre à côté. C'est celui-là. C'est l'autre à côté. Cherche connexion encore. Ok, c'est bugué. Donc je lui parle pas. Vaut mieux pas. C'est que des que non, cherches juste pour voir. J'ai eu 3 cherches connexion, ça va. Je pense que je suis équipé. 4 constamment. La carte repère. Quoi? Bon, c'est inutile de toute manière, mais... Alors... La carte repère. Ça fait 3 fois que j'ai la carte repère. Ah, toi, c'est la carte repère. Oh, merde. La carte repère. Et enfin... Attention... La carte repère, allez. On est bien avec ça. Ouais, le caca. T'as trouvé un super moment? Ouais. Yes. Vous êtes parti sur la gauche? Exactement, ouais. Tant de faire les dresseurs et tout. Yep. Avant d'aller se taper le rival. Encore. Encore. Coelis. Je vais peut-être me prendre un Luminéon à la place du Tritosaur. Je sais pas lequel, les gars. C'est assez classe, si vrai. Bon, je veux prendre que des Pokémon de Sinnoh, quoi, pour rester dans le thème. Des
des cap fours quoi. Tu veux un des cap fours. Exactement. Fallait regarder Fidron pour savoir ça, mais. La légende des cap fours. Triste légende. Ouais. Comme celle de Jack. Vous a quitté trop tôt. Ouais. Je peux pas savoir d'où vient le nom. La légende de John Salami, des Capfours et en fait s'est terminé brutalement. À voix la Rock. À cause d'un Rotan Morph, c'est ça? Exactement. Tu m'avais dit, ouais. Putain. J'ai refait la même erreur que tout à l'heure en mettant mon putain de charcot sur un Léviator. J'ai pas compris la leçon de tout à l'heure. J'agis comme un bot en fait, je me dis Pokémon vol, Pokémon roche, merde, Pokémon eau. Bah moi quand je pensais toi, je pensais d'abord à eau avant de passer à vol, moi. C'est... Ok, merci. Vous êtes parti direct à Jolie Berge ou quoi? On est en chemin. Pourquoi on me demande en duel? Je veux pas de duel moi. Vous avez pas affronté les deux Mais je veux pas t'affronter, casse-toi. Deux dresseurs? Les deux pêcheurs qu'il y avait avant. Vous êtes parti directement sur les. Ah putain. On est parti directement, ouais. D'accord, c'est pour ça que je vous vois pas. Il y a un combat. Il y a une team en fait qui est présente, c'est pour ça qu'ils demandent en duel là. Ah, je comprenais mieux. Bon, comment je fais? Vas-y. C'est trop lourd, les gars. Je vais aller chercher ma team, mais on va voir si. Bah non, mais ils montaient jusqu'au niveau 45 max, si tu veux. Ah. Bah, ils ont fait jouer Liberge, quoi. Ouais. Donc, on sera 45 du maximum de niveau. C'est trois niveaux de différence. Attends, si on rentre à Jolie Berge, on affronte direct le rival? Non. Non, c'est, quand non, c'est sur le pont, ouais. Comme ça, je vais pouvoir aller me soigner. Ouais. Je rentre sur moi, je vais juste aller me soigner. Moi, j'en ai fait les pêcheurs, enfin les deux pêcheurs en bas là, enfin à droite. Bla 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 bla, Pokédex, bla bla, terminé, bla bla. La différence entre les mâles et les femelles. Je l'ai depuis le début, mec. La musique de Jolie Berge. Je pourrais écouter en boucle. Si ce Pokémon je vois, je ne pas, je remets en question toute mon existence. Ça va être violent. C'est bon. j'ai flippé. Ah merde, j'ai plus de coca. Enfin, j'ai rien acheté. Ah. Yes. Bon, je crois qu'il y a un deuxième pas loin, c'est ça ou... Ah non, c'est tout. De quoi? Les pêcheurs là, ouais. Ouais, il y a les pêcheurs derrière, c'est tout. Et il y en a un là-haut aussi. Ouais, mais je l'ai affronté ça. Ok. J'arrive! Putain, il y a 300 de mes couilles. Oh, il me paralyse en plus. Ah, mais moi je veux jeter la série, moi. Et ça, ça va pouvoir en voir. Ouh, je passe au-delà de tout cela. Je suis
c'est un autre niveau. Hop, on va affronter un marin. Un Léviator, allez. Ouais, le Léviator il casse les couilles. Allez, 4, c'est parti. Mais moi je fais Tegeta ça, il est fini, hein. Ah ouais, oui. C'est x4, je pense. Il y en a qui s'autorisent à prendre les Pokémon overcheatés, alors qu'il y en a qui essaient d'être un peu original. Ça, je défends Tegeta avec un sonore. Je pense que niveau originalité, ça y va, quoi. Ouais, là, tu vois, moi, t'apprends le soleil, ça veut rien dire. J'ai puissance cachée. Oui, ta puissance cachée électrique. Ouais, ouais, mais je voulais pas électrique. Ouais, électrique, ouais. Ça, c'est karma, ça, après, hein. Du coup, je suis un peu déçu. C'est pas si mal. Ça sert, en fait. Tu voulais quoi? Je sais plus ce que je voulais comme attaque à la place, mais... Ouais, glace, plutôt. C'est plus ce que je voulais. J'ai une attaque et je pouvais pas l'avoir, donc du coup, bah... Tu as plus puissance cachée. Ouais, SJV. Se cacher, puis bah, quoi. Mais ça marche très bien. C'est où qu'on obtient un méga 4 déjà ici? Aucune idée. Ça doit être un joli berge, justement, je pense. Une petite hyper potion en bas, direct de pêcheur. Ouah, wow, il y a 5 Pokémon lui. XP gratuit. Tous les Léviators ont la même attaque en fait. Ils ont tous Crogibre et l'autre truc qui m'a fait tout à l'heure, je sais plus quoi. Cascade. En fait, ils les ont mis en strat. Comme d'hab quoi. Ah mais moi, je vais le voir à strat hein, parce que. Ah oui, d'accord. Oui. Je pensais qu'il n'y avait qu'un seul, non, il y en a deux, d'accord. Ah, pourquoi pas hein. De quoi, Léviator? Ouais. Qui fait Crogibre. Ouais, ouais, tant qu'ils te gèlent pas, ça va. À mon avis, ils sont pas IV ni EV. Ils sont 15 partout, je pense. Sinon, je ferais plus mal que ça. Putain, ça passe. Enculé, ouais. Alors. On va envoyer le plumeau Swiffer, hein. Une petite puissance cachée, puis voilà, quoi. Moi, il en avait qu'un Léviator, moi. Hein, tu parles de celui d'en bas? Ah oui. Ouais, j'ai fini ce jeu là. Ah, il me reste que dalle. Il reste juste c'est bon, on peut y aller. Juste un niveau à voir, je serai tous niveau 42 là. Ah ouais? Juste un seul. Putain. À voir. En même temps, moi je me suis débarrassé d'un Pokémon, donc je me retrouve avec un niveau 33 dans la team. Moi j'en ai un qui est niveau 41, l'autre niveau 39, mais pour ça ils sont tous au 42. Bon, ville, soin. Oh alors. Un scientifique. Est-ce qu'il combat lui ou pas? Non. Oh dommage. Par contre, on a notre sacré rival qui va venir nous faire chier. On va se faire XP. Ah oui, t'es. Effaceur de capacité. Et bah. Tu vas me faire oublier Antibrume à Elzozio. Elzozio. Ah, 5000 Pokédollars. Ah, ça marche pas. Hein. Bon, t'as de la chance. T'es vieux, ça doit payer ta retraite. Allez. Quoi? C'est tellement gratuit. Ouais, ça va se faire le rival. Ah, d'accord. Je sais pas. Allez. Il commence par quoi le rival déjà? J'ai pris Simia Braz, il a des chances de commencer avec Pangolin. Bon, je laisse Rose.
un Nidoraptor. Eh ben, il commence avec Roserade, comme moi. Ouais, ben. Il va commencer avec quoi, moi? Oh, bah, moi, c'est son Goinfrex. Ah, toi, t'as le Pokémon normal. Normalement, il commence avec Goinfrex aussi. Moi, je suis laissé mon Wilfred pour l'équipe, son équipe, donc je sais pas si ça joue ou pas. Peut-être, ouais. Il y a une chose de différente entre ton Roserade et le mien. La taille de leur bite. Bah ouais, c'est tous les deux des mâles. La violence. Allez, un doigt. Ça aurait été des femelles, j'aurais dit la profondeur de leur vagin. En vrai, les meufs, je sais pas comment elles font ça. Nous, on dit on mesure la taille de nos bites, mais les meufs. Sujet sensible à mon avis. Hein. Ouais, mais on entre sur un terrain glissant, Thierry. Ouais, mais on s'en fout. Donc. Tout cela ne nous regarde pas. Nous, entre mecs, on s'en fout. Putain, les close combat, mais arrêtez. Ça fait mal, ça, ouais. Close combat. Ça se voit trop et violent. La bombeur qui one shot galopa. Alors, mon Roserade, il va monter de niveau directement après le champion. Ou au niveau maximum encore. Ça va pas louper. Putain. Mais arrête de faire close. Allez. Le simiabrase, c'est ça? Son simiabrase. La pute. Bon, après, moi je le filme. Ouch! Ah, ça fait mal! Ah, ça fait beau! Eh, c'est moi qui dis ça! C'est pas qu'on dira quoi? Au revoir, merci! Putain, gros, je dis, mais t'es sérieux! Mais arrêtez! Voilà! Et en fait, j'ai souvenir que ce combat c'était le pire de tous! Et après, c'est plus calme! Je sais pas, c'est pas celui de la route victoire la plus chère? Ah non, sur la route victoire, tu le roules dessus! Bon, remarque, ouais! J'ai fait tous tes Pokémon au maximum! Ah, le salaud, il m'a paralysé. Avec un plaquage. Même paralysé, je suis plus rapide que lui. Il a plus de vitesse globalement, ça m'énerve. Allez hop, ça dégage. Et Nidoraptor. Putain, il aurait mis son Nidoraptor tout de suite, il aurait pas fait long feu, mon furoncle. Il fait force cachée, mais bon. Aérodrade et toi, Thor. Je crois qu'il va me faire aile d'acier, comme tous les oiseaux. Ah non, close combat, c'est encore pire. Bon, ça va, il va se taper. Mais c'est bon, ça résiste. Allez, au revoir, Aérodrade. Là, ça c'est pareil, et Toraptor il aurait dû le mettre de type combat, il aurait été abusé comme Pokémon encore plus qu'il l'est maintenant. Exactement. Avec close combat stabé, bon combat. Ça aurait été énorme. Bon, par contre, il aurait été faible face à son propre type Paul. Ça aurait été. En même temps, ça aurait pas été l'oiseau du jeu quoi. L'oiseau du jeu c'est toujours type normal vol. Ouais. Bon, regarde Corvallus, c'est l'oiseau du jeu, il est type acier vol. Ouais. Ça fait changement au moins. Ouais. Après, toi aussi, quoi, t'as le chien du jeu, c'est pareil, quoi. T'as Flambusard qui est l'oiseau du jeu aussi, des types feu-vol. Là, les deux dernières versions, là, ils se sont fait plaisir sur les types. Quoique, dans le type vol de. C'est passe rouge. Ouais, non, c'est passe rouge, XY, donc ouais, Flambusard. Et l'autre d'avant, c'est... Pois chijon. Ouais, des plaisants. Ouais. Donc, c'est à partir de XY qu'ils ont commencé à mettre des doubles types aux oiseaux. Je sais plus si à Alola, il y avait un oiseau. Si, c'est passe rouge. Ah, c'est repas. Enfin, je sais pas. Pour Flambusard. Il y a plutôt, ouais. Je pense déjà au prochain jeu qu'il pourrait faire, alors qu'il vient à peine de sortir un jeu.
En même temps, Pokémon en attend tellement d'eux que j'ai l'impression qu'ils vont se lancer dans, un, dans une production de jeu à la Call of Duty un jour. Ah. Ça va faire chier. Bah, c'est presque déjà le cas, non ? À faire un par an. Le problème, c'est que Call of Duty, t'as plusieurs équipes qui sortent. T'as les Black Ops, t'as les Advanced Warfare. Voilà. Après, Call of Duty, c'est la communauté qui est dégueulasse, c'est pas les jeux. Les jeux, ils sont assez bien. En tout cas, pour le mode solo. Bon, on se fait l'arène ? Tout de suite, l'arène ? Okay. Je sais pas, c'est comme vous voulez, ou on va à... Sphère, hein. L'île de fer. Ah, là, ça peut être pas mal, l'île de fer. Ouais, pour entraîner tout ça, d'abord. Ça va, oubliez pas. Je récupère un sauvegario, moi. L'île de fer, quitté. Il est là, il est là. Quoi. On est en bas pour la. Ouais, mais je disais la CS Force. C'est si on a besoin. Ouais, ils vont ah. Ouais, on va en avoir besoin, donc on est obligé de battre le champion pour l'utiliser. Un truc à la con. Donc, mais bah... non, c'est le gars qui nous le donne à la fin. Alors, ouais, force. Toi. C'est le gars avec Lucario qui nous donne force à la fin. Donc il faudra qu'on y refasse un tour pour récupérer les objets surtout. Enfin, il me semble. Bah, arène tout de suite ou pas, j'en sais rien, mais tant qu'on le fait. Arène. Bon bah. Putain, les gars, ils se battent pour Arceus depuis le début. Là, là. Ça arrête pas de changer. Styx. Ah, ils vont tous avoir fermeté ici. Ah, ça va être chiant. Ah, Stylex Crogivre. Ah. Hydro-queue, non mais c'est sérieux. Et il a tout pour gérer. C'est le Léviator du pauvre, ce Pokémon. Mais en comme une clash. Ouais. Ouais, c'est que contrairement à Léviator, il a pas d'attaque stabée, à part séisme. Ce qui peut faire mal. Ah, Magnéti, putain. Et évidemment, Magnéti fermeté. Alors que je le one-shotterai quand même. Plus qu'un éclair. Ouais. Ah, toi aussi. Ouais. Et je suis sûr qu'on va tomber sur un Pokémon toxique à un moment. Sauf que même la cage éclair, elle me ralentit pas assez pour pouvoir passer après lui, tu vois. Je pense que j'ai quelques antiparas pour m'aider. Ou au moins du total soin. Antiparas, ça c'est anti-gel, antidote, antiparas. Putain, fais chier, j'ai rien. On va faire quelques courses. Je reviens. Je vais faire comme toi, je vais m'en acheter quelques-uns. Ça va être infâme. Histoire de. Et puis regardez s'il n'y a pas des CT aussi intéressantes. Il y a une boutique au moins ici. Eh oui. Allez, tout en bas. Alors. Putain, il n'a pas. Ah si, j'allais dire, il a pas d'antiparam, mais si, c'est tout en bas. Par contre, là, je vais m'amuser parce que je sais pas si Pokémon super efficace. Tout petit pastier. Ah, faut que je rajoute. Voilà. Ça va être mon arène à moi. Oh. J'en achète 6. Ok. Y'a pas de total soin. Non, il me semble pas. Ah, les cassos. Toi, tu vends des CT ou pas? Non. Ils vendent des casquettes. Tant pis.
Alors je sais plus du tout lequel faut prendre, donc on verra. Bon, dans tous les cas, t'auras un dresseur. Ouais. Non, c'était pas celui-là. Non, c'est celui tout au bout, normalement. Si je me souviens bien. Ouais. Ah, il est brûlé. Chais. Putain, j'ai pas dit d'ouvrir le Pokédex, mais il... Je déteste ce clingue. Attends, j'ouvre d'abord le Pokédex, ensuite j'ouvre la liste d'amis, puis j'ouvre ma carte de dresseur. J'ai tout géré à sous. Alors là, par contre, c'est mort. On appelle Zergas. Ah. Carrément. Je choisis mon Joker, on appelle à un ami. Bah ouais, t'auras un peu de mal sinon. Hein. Je connais des petits passiers. Ah, l'enfer des magnétiques, putain. Bienvenue dans l'enfer des magnétiques. Oh Zergas, je te vois en bas. Ah, moi, t'as un cancer pour moi. Ah bah là, de l'acier pour toi, c'est pas, ouais, pas la meilleure chose. Ça sera pas génial. Si, Torterra, s'il a appris, ça peut être pas mal. Je sais pas s'il te l'a appris. Ouais, je l'ai. Ouais, ça pourra toujours aider. Mais bon, avec toutes les fermetés qu'ils ont, il y a certains qui ne l'ont pas, heureusement. Je me rends compte que j'ai pratiquement que des Pokémon corps à corps. Les Pokémon acier sont souvent résistants corps à corps. C'est bien, j'avais oublié que les antiparas ont donné quelques points de vie. Ouais, je crois que ouais. Comme tous les petits sont comme ça, je crois, non. Ouais, dans ce jeu, ouais. Non, il y a tous les antidotes, tout ça, ça redonne un peu. Alors par contre, si, sur magnétique et la lévitation, c'est carrément. Ouais, hein, c'est aussi. Au moins, il a pas fermeté. C'est sûr. Non, Magnéti, tu devrais facilement one shot en plus. Ça va. Non, ça n'est pas vite, ça va. Bon, j'ai bien fait de prévoir les antiparas. Les Steelix sont Croéclair, maintenant. Bah, normal quoi. Putain, cache d'éclair, j'en ai marre. Ouais, mais cache d'éclair, Croéclair. Si tu balances un Pokémon plante, ils te font Crogive ou Crofeu. S'il me fait Crofeu et qu'il me brûle, ça me baissera mon attaque. Ah, Damoclès, lui, il me fait. Ah, il n'aura pas de dégâts de recul, lui, qui est type acier. Ah, si, il a un type. C'est lesquels Pokémon qui n'ont pas de dégâts de recul? Il faut qu'ils aient une capacité spéciale. Ouais. Ou un objet, je sais plus. Ou un objet, ouais, peut-être. Je vais m'amuser, bon, pour changer.
peu m'amuser. Bon, ça va, j'ai close combat, donc ça... Ça ira très bien. D'accord. Bon, il se tue lui-même, mais... C'est un concept. Oui, bon. C'est... T'auras pas mon XP ! Ah bah si. Allez, alors, allez, s'il te plaît, dégage. Non, même pas one shot. Proche livre. En plus, je crois que le champion, il a encore. Il me semble. Hein ? Il y a un bastion champion, je crois. Ouais. C'est son Pokémon attitré. C'est assez sûr, il me semble, Bastiodon. C'est pas Lucario plutôt, non ? Non, non, Lucario, je regarde même pas. Oh, ils vont peut-être en avoir, hein, ouais, vu que maintenant ils ont refait le... Mais si c'est un Bastiodon, je crois que c'est Bastiodon, assez... ouais. Mais il y a Bastiodon... Hein. En fait, du coup. Hop, parfait. Putain de confusion de mon cul. Ils ont tout pour faire chier les Pokémon Acier, hein. C'est pour ça que tout le monde les déteste. Il n'y a pas de faire ça. Ah si, c'est bon. Alors, hyper popo. Tac. C'est tellement en cours de... tellement sur les potions là. Ah là, ça se joue sur les potions. C'est... Ah bah c'est trop moi parce que moi je pâtis, c'est efficace quoi. Je pâtis feu, notamment. Moi c'est à cause du axe moi que je dois utiliser les potions surtout. Attends, on a l'impression que t'es gigantesque Dynamez, mais en fait c'est juste que t'es au-dessus. Ah. Ouais, et tu vois, quand c'est pas cage éclair, c'est 11. Tu vois. Tout pour faire chier. Tout pour faire chier. C'est le cancer. C'est le type acier. Ça va prendre. T'en avais pourquoi finalement on adore ce type? C'est le gars le plus cancer au monde. Ok, salutations, merci. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une photo souvenir avant? Bah oui. Ah, je vous attends devant. Bah, je fais mon combat. Oh putain, les archéomires, ils vont tous faire la même chose. Ah oui, ça. Ils font tous chier avec les ondes folie, là. Alors moi ça va, moi il faut pas chier en folie, moi ils me font chier à résister à mes attaques. C'est ça que j'ai pas envie de casse-pied du coup. Oh putain. Ah bobo. Ah non ça va, j'ai rien dit. Ah bobo. J'ai l'impression que des... J'ai ici et tout reste, hein. Non, mais je suis con, hein, non. Bon, je vais remettre full life, mon Pokémon. Il y a celui qui t'aura se faire et il sera content. Hey, je suis type vol, chais. Ça, c'est pour le corps à corps, il a de nouveau. Oh, une folie. Reste... La violette noire qui sert plus à rien avec la une seule attaque de type ténèbres, bien évidemment. Est-ce que je suis fibre obscur? Il faut vraiment que j'aille faire un tour à Kanto ou à Sinnoh, enfin autre part quoi, pour acheter un truc. Des CT. Acheter des CT, ouais. Moi, je changeais de PC aussi parce que... À qui je peux la prendre. Pourquoi pas... Ok. Oh, merci. Zup. Bien lui, déjà pas. Ouais, il est très bien. Parfait.
Oh, allez, c'est maintenant qu'on va s'amuser. Bon, en position avant. Non. Et avant, pour remettre un peu les PV, parce que même, voilà. Ah, très bien. Hop. Monsieur, merde. Messieurs. Allez, merde à toi aussi. À vos pelles. Ouais, pas faux. Oh, Magnézone, allez, le concert commence. Archéodong. Quand tu vas être paralysé, moi, je vais être confus. Bastodion. Allez, on va essayer, c'est même pas si. Il est de vite l'attaque. Et fermeté. Un psycho, ça va, il fera rien. Oh, quoi? Un archéodonc psycho, normalement ça fait pas si mal que ça. C'est pas un Pokémon allez, puissant. Juste de la passer, au revoir. Allez, passe au dos, au revoir. Allez. Passe-o-donc. Archéodonc. Sol. Est-ce qu'il y a évitation? On va voir ça. Il a l'évitation normalement. Archéodong oui. A toujours chier avec ça. Bah. Ouch. Il a fait une attaque du type sol normalement. Non, il me fait toxique. Petit con. Pute, salope, pute. Ah, ça sent la fermeté. Pour se faire. Pouf. Oh, je vais m'amuser moi. Ah bah, ouais, pardon, mais j'arrive même pas jusqu'à fermeté. Tant pis. Bon bah, ça va être Tritosaur qui va faire le boulot. Hein. Au pire, je peux faire un coup de cross combat, hein. Même pas. Ça va tellement être cancer pour moi. Je voulais pas utiliser Tritosaur parce que ça aurait été trop facile, mais bon, je m'oblige à le faire. Même Magnézone il peut rien faire là avec Tritosaur. Bon, la triple attaque ouais, peut faire mal, c'est vrai. Surtout s'il me gèle. Non c'est bon. Mais arrête avec les psychos putain. Fermeté. Ferme ta gueule. Fais un dégât de statue, déjà coup critique putain. Coup critique sur triple attaque le gars. Par contre ça reste pas mal. Oh ça va, il est pas mort. Ça Streetosaur qui me sort un peu du merdier là. Et dire que je voulais échanger contre un Lumineon. Je suis content d'avoir gardé. Change pas. Là je vais naviguer entre mes Pokémon et puis essayer d'avoir l'usure hein parce que. Ça va être cancer. Le Bastiodon il a toxique. Qu'est-ce ah, que j'avais dit. Propre technique du toxique ça marche pas parce que vu qu'ils sont petits passés tu peux utiliser. Exact. Bon lui il est mort, ça dégage. Allez j'ai bientôt fini. Ah moi j'en suis loin pour l'instant. T'as pas un Pokémon avec Surf. Pour bon, être tranquille. Ah ouais c'est mais je te flotte et il résistera pas au Magnézone à part si tu l'as battu. Ah bah justement ouais hein, c'est ça le problème. Pour Magnézone, ton Torterra, hein, je vois pas d'autre solution. Ouais sauf que j'ai plus les séismes, bébé. Ah. Ah bah fallait soigner avant. Ou tu te soignais maintenant. Donc Magnézone. Je suis pas sûr là pour le coup. Ah, franchement, Tritosaur, c'est vraiment le Pokémon pour combattre ce champion. Là. Ça passe. Yes. Pink. On aura fermé. Gagné. Allez, ça dégage. Bon, allez, Annie tire. Et ça va y aller. Il donne quoi, je crois, il donne les minocanons en attaque, il me semble. Aïe. On va aller juste le revoir, il est mort. Les Pokémon oh, peuvent monter jusqu'au niveau 45. Wow. Ah,
Ouais, c'est ça. Allez, je vais faire un coup de 6, maintenant ça va y aller. Par contre, s'il y a évitation face, ça va être marrant. Brindy. Aïe. C'est mort. Si pas utiliser une guérison hein, au pire. Ah mais faut en avoir. Hein. Ouais. Ça c'est chiant, ça vaut mieux le garder aussi pour la ligue, je sais pas, mais bon. Est-ce qu'il te reste quoi après? Tauraptor, Luxray et deux autres Pokémon. Ouais, l'hyper potion. Ouais, mais par contre attention parce que si c'est un poison. Ouais, c'est. C'est pourtant toxique, ça fait deux fois plus de dégâts à chaque fois. Donc là ça va faire mal à mon avis déjà là. Ah bah là vaut mieux que t'attaques, de toute manière tu perds rien à attaquer. Parce que tu vas mourir au prochain tour, même si tu soignes. Je le mieux fait. Au pire tu feras un rappel. On va pas voulu en arriver là. Ça va être un combat cancer. Il a pas séisme lui? Carmash. Là non j'ai Par contre si il était sur face ça va être marrant quoi. Fais pas d'attaque sol sur lui, déjà. Fais une attaque dragon, t'as pas draco griffe ou comme ça le con. Oh. Et moi il me l'a pas fait. Et moi il me l'a pas fait. Oui, il a pas eu le temps de le faire en fait. Et mais moi tous ces Pokémon étaient au rouge pratiquement, il me l'a jamais fait. Mais ta sœur. Putain, je vais m'amuser au combat, moi. De toute façon, là, il va te faire psycho, j'imagine. Il n'y a pas autre chose. Mais son psycho, il fait vachement mal pour un archéodombe. Il a mis en attaque spéciale. Hein. Ça, c'est pas possible. Mais j'aurais tellement envie d'apprendre un genre de gros feu à mon Luxray, là, puis de revenir et de démonter. Là, utilise un rappel sur ton... Torterra. Après, tu mets Tauraptor et tu fais close combat. S'il l'a... Chill. Ouais. Il l'a. Par contre, faut qu'il tente de le faire parce qu'il a beaucoup de PV non plus. Il aura le temps de le faire, il sera plus rapide après. Est-ce que ça one-shotera ça? Ah, bah ça. C'est un peu moins sûr, mais. Normalement, non, et tout Raptor est censé être plus rapide. Hein. Oui, il est plus rapide, mais le one-shot. Mais c'est pas vrai! Il a gardé. En fait, il a gardé toutes ses hyper potions pour toi, il les a pas utilisées pour nous. Bah, je te laisse imaginer ce qui s'est passé quand j'ai affronté Goya contre un sort bouboule qui faisait. Il a utilisé à peu près 4 guérisons. Refais close combat et puis après tu pourras le tuer. Normalement, ouais, parce que ça baissera les. Bah non, peut-être pas. Non, mais après, là il va se faire tuer Tauraptor et puis ensuite il peut mettre Torterra. Pour faire morsure. Ouais, j'ai rien. À part s'il y a une autre hyper potion. Ce serait marrant. J'ai à gérer encore là. Il a magnéton, mais c'est magnéton, c'est rien. Il a stylé que c'est magnéton. Tu fais séisme, c'est bon. Mais pas d'huile. Est-ce qu'il y a lévitation ou pas? Mais si t'as une huile, non, il a pas lévitation lui. Oh, non. Ça c'est génial. Il a même pas fermeté. Allez, dégage. Et Stylix, bah s'il a quelques points de vie d'enlevé, ouais, c'est bon. T'as gagné. C'est bon, ouais. Fais séisme, c'était bon, on en parle plus. Hein. Ah là là, c'est archéodonc de mes couilles, quoi. Ah mais moi si j'avais vu un Pokémon feu, j'en serais usé mais pas là. Là c'est un cancer hein, pour moi. Ah là là. Bon, il y a notre rival Alexar qui va nous attendre, il va nous dire d'aller sur l'île de fer du coup. Ah ouais, mais je vais pas aller à la bibliothèque maintenant en fait. Non, mais on peut pas y aller à la bibliothèque de toute manière. Il va nous dire avant d'aller à la bibliothèque d'aller chercher force sur l'île de fer en fait. Mm-hmm. Hop, les soins sont faits. Putain, mais je te vois plus. Ah si, c'est bon. T'es trop rapide pour moi en fait. Ouais, je sais. Parce que j'ai un Pokémon qui peut, qui a déjà savoir forcer. Est-ce que Grolem il l'a lui? Ah, c'est vrai que ça pourrait aider ça.
Que truc. Oh, je vais prendre quand même, ça fait longtemps que j'ai pas pris, tiens. Pokémon ACS. Alors, zup. Putain, j'ai beaucoup trop quand même de... C'était bon. C'est un enfer. Alors... Croiseur, il y a déjà Force Tombe Roche. On va virer ça. Toc. Bon allez, on se fait l'île de fer tranquille. Ah, si c'est pas trop long, ouais. Boah, en 20 minutes, c'est fait. Comme ça, avec un peu de chance, on sera tous niveau 42 à la fin. Bah, maintenant, c'est niveau 45. Ah merde. Alors, est-ce que j'ai un Pokémon avec force, histoire d'aider. Quand même d'aller chercher les objets qu'on risque de louper. À part s'il nous le donne au début, remarquez. Ça, je sais plus. Bah, moi, j'y suis. Putain. Tant pis. Tant pis, j'y retournerai au pire un jour. Donc on va faire quoi comme CS déjà? Bah, avec la éclate rock au moins. On va tomber avec toi très son Lucario. Parce que mes CS sont tellement éclatés sur les différents Pokémon qu'ils ont que de CS, donc c'est marrant. Justement, c'est de côté. Il nous la donne cash. Ah, il nous la donne? Ouais. Ok. On va tant mieux. Attends, fais voir, moi je suis à P42. Ouais, bah forcément. Ouais, ils sont tous 42. Chouette. Oh, t'auras pas grand chose à faire pour la prochaine fois, du coup. Bah non, mais pas comme que je l'ai 3 niveaux. Hop, bon. On rentre, du coup? Allez, ouais. Oh putain. Alors, à droite, c'est... pas d'histoire. Donc on peut aller chercher les objets qui est à droite et les dresseurs déjà. Ils savent que Dynamite va se perdre. Ah c'est cancer, ça. T'es parti à gauche toi Sergas, c'est quoi? Ah non, moi je suis bloqué au rez-de-chaussée encore là. What? Par un petit gravalange. Ah d'accord. Je défonce comme ça. Voilà quoi. Ouais, moi, parce que aussi, là, c'est vrai que monsieur est trop prof pour acheter des repousses. Bah j'en ai en place hein. Monsieur est trop radin pour les utiliser. Je vais niveau 45 du coup. C'est juste pour ça. Ah. Non mais ça je m'en fous ça. Hop là, bon le niveau 45, allez on change. À mon avis... Bon, si mes bras va être pareil, ou au moins niveau 44. On doit tirer, il passe. Ah non, niveau 43. Bah oui, en même temps, il vient d'arriver. 45 et plus. Pouf. 45 et plus. Oui, hein. Bon, ça va être pareil pour mon Roserad, j'imagine. Alors, Machou, il y a la place de morsure. Je suis sûr. Ah, oui. Si, oui, si, oui, c'est le stade au-dessus, enfin, ça sera mieux. Pas le temps de, par contre de faire peur à l'adversaire, c'est con. Ouais, mais ça baisse la défense spéciale. Non, la défense. Non, la défense spéciale. Défense, ouais. Défense. Puissance de 60. Donc c'est mieux. C'est largement mieux. Parce que les chances d'apeurer en plus sont pas énormes. C'est pas... 30% je crois. Ouais. Je sais plus si c'est 10%. Quand je prends un repousse, ça va être chiant. P42,
plus sur le serveur multi, ça va être étonnant, juste voir, mais bon. Oui, ils ont un serveur multi. Alors là, je suis parti à droite, en bas à droite, pour la... qui n'est pas la suite de l'histoire. Pour récupérer des objets. Tu viens si c'est intéressant. Il y a des dresseurs. Alors c'est intéressant. On sait que des magnétis, mais il y a des dresseurs. Oh non, moi ça aurait chou là. Oui, celui d'au-dessus. Un peu 45 et plus je pour vos oreilles. C'est un séisme, ça fait du bien. J'ai bien à nouveau démonter les gens. Après la reine. Prochain champion sera le type glace. Entraîner Simia Braz. Donc que je vais mettre. Lui pour moi. Ça fait toujours plaisir. Là, il n'y a rien. Alors, deux antiparas. Des hyperpropos, fatal. Putain de Styx. De faire. Ah bah doit être bien dur hein. Ah bah. Depuis le temps que je m'en suis pas servi. Et puis vu la taille. Avec force on est pas censé pouvoir bouger les tonneaux et rochers non? Non, pas cela. Ah bah. Non. Blizzy peut apprendre que de faire. Pourquoi pas hein. Pas tant... 75% de réussite en plus, fait chier. Non, vous êtes toujours dans la partie en bas à... On est en bas à droite. En bas à droite de en bas à droite, en fait. Ouais. On est un peu plus bas encore. Ouais, voilà. Maintenant, on va à gauche. Maintenant, on va à gauche. Et maintenant, je suis en combat. Après, il nous suit, voilà. Voilà. Maître Armand. Lui c'est un bon gars. Enfin, plus ou moins. Ils ont pompé son skin sur Lucario et le mystère de Mew. Totalement. À moins que ce soit le film qui ait pompé le jeu, je sais pas. Bah vu que c'est un film qui se passe à Owen, techniquement, il est sorti avant. Ouais, c'est... Ça. Semble-t-il, je ne suis pas expert. Je sais plus. Un très bon film, cela dit. Ouais. Ah ça, ouais. Même si ça vaut pas, Manafi et le prince des mers et l'ascension de Dark. Et après, je sais pas, je les ai pas regardés donc. Ah, les films totalement OSEF, c'est genre Latias Satios. Ouais, je m'en doute. En fait, c'est des films. Ce problème avec les ces films-là, c'est qu'ils sont sortis, mais c'était pas les voix françaises. Et les noms des Pokémon se disaient en anglais. Tu sais, les Pokémon ils disaient pas but bizarre, ils disaient. Blastoise, Blastoise, Charizard, tout comme ça. Du coup, bah, quand t'es jeune, t'accroches pas. Forcément. Et maintenant, et ils ont fait ça pour de. Ils ont fait ça de Latias Latios à Jirachi. C'est limite si on se demande si c'est pas la version canadienne, tu vois.
C'est même possible. Un coup de 90, c'est un merde. Ah merde, ouais, c'était un combat double, j'ai pas fait le combat double, moi. Ah bon, non plus. Je les ai fait un par un. Pauvre Armand, il aura servi à rien. Ah, mais sombre, bon. C'est même vieillir à l'arène, je pense qu'il vaut mieux jamais prendre un truc genre profus ou je sais pas quoi ou. Ah, ça vaut mieux, ouais. Ah oh, c'est un Onyx, non. Il t'a sauté dessus. Ouais, c'est ça. Hop, on partira là. C'est un combat double ça. À la fin, t'as la team galaxique qu'on va éclater. Bonne map quoi. Les bons bails. Ouais. Pauvre team quoi. Des teams d'adultes envoyés voltinguer par des gosses. Gosse de 10 ans, plus on se fait la ligne ou je sais pas quoi. C'est ça. Un Pokémon épée, on devient carrément roi. C'est. C'est un concept, hein. Ouais. Surtout qu'on a passé tout le jeu à te dire non, mais. Laissez les adultes s'en occuper. C'est ça. À la fin, hop, finalement, si tu vas t'occuper de tout le reste, tu vas devenir roi, quoi. Ouais, bah à la base. Et la dernière phrase que te dit le maître, c'est aux adultes de créer le chemin pour les enfants. C'est totalement cliché en plus. Ah bah ça. Pendant tout le jeu, on t'a dit non, non, laisse faire les adultes. C'est ça qui me. Bon, j'aurais bien voulu combattre le Dynamax, le Miaouz Dynamax là. Que Tarak a vaincu avec son drapeau feu. Ouais, ça passe. Bon, moi j'ai un peu d'attention sur vous au final. Hein. T'es en avance sur nous? Non, au contraire, je suis en retard. Ah, t'es en retard. Allez, une dernière, un dernier essai. Du coup, je vais défoncer sous le cario. Hein, parce que... Ah, oui, bah oui. Rien à foutre. T'as qu'à pas être sur notre chemin. Mais cette fermeté de sa mère. Ah bah ça. Putain, mais tu pourrais pas attaquer l'autre Pokémon. Mais je l'aurais one shot. L'autre, je vais pas le one shot. Par contre, toi, je vais te tuer. Voilà. Tu sers à rien. En plus, il y a juste un seul Pokémon. Moi, il servait à prendre des attaques à ma place. Potion max ici. Ah, ça c'est toujours utile. Ah ça c'est clair, ouais. Là on a quoi? PV plus. Bonne chance Dynamaze, tous ces Pokémon ont fermeté. Oh
Oh non. Non, juste les deux premiers, ça. Tellement d'objets. Et je suis sûr qu'on voit même pas ceux qui sont masqués, du coup. Mais... j'ai utilisé mon vélo, vous ne pouvez pas faire cela ici, voyons. Ça serait mal poli de laisser votre ami derrière. Il n'y a pas que faire ici, ouais. Oh, c'est bien, ils soignent nos Pokémon. Bah oui, heureusement. Chose quand même. Putain, il se fait one shot derrière, non mais. Lucario, tu. Bah, ce que je dis, il a aucune résistance, les Lucarios. Là c'est bien l'attaque qu'il fait. Ces dresseurs. Quand ils ont pas fermeté, ils ont la ceinture force. Oh. Hop, niveau 44, parfait. J'adore la confusion. Confusion, meilleur ami de Dynamis depuis 1999. Oh. Un Sferalto. Allez, ça dégage. Oh, bâtard. Non, regard noir, c'est pas sympa. Eh ouais. Non, j'ai pas pu m'enfuir avant qu'il le fait. Qu'il le... Ça fait, vous ne pouvez pas fuir. Ah non, il m'a dit impossible de fuir, après il m'a fait... Oh, un regard noir. Ça commence à être trop chaud. 3 êtres furent créés pour lier le temps et l'espace. Créelf, Créfolé, Créfaté. Je fais un pas, s'il te plaît. Respecte-moi. Respecte mon autorité. J'en rejoins dans 4000 ans, quoi. Ouais, bon. Si t'as pas envie de combattre tous les dresseurs. Hein. Je crois que je vais faire esquiver certains parce que là, ouais. Et une hyperbole. Bon, bah ça va, les objets, c'était sympa. Le lockpin qui loupe son pied sauté, ça fait du bien ça. Bon, par contre, l'autre qui fait son séisme, ça devrait pas être trop. Non, c'est bon. Allez, tout le monde KO. Ah non, moi d'abord. Putain. Pied sauté de Meko. Bah c'est l'hécatombe. Tout le monde est mort, il reste plus qu'un Maresto sur le terrain. Genre, je peux pas choisir mon Roserade. Quand c'est des combats doubles, tu peux seulement choisir tes 3 premiers Pokémon. Ah, c'est chiant. Est-ce qu'un bah reste à lavabo? Ou un truc du genre. Non, il a Absorbo, et bien évidemment. Comment ça, il a résisté quand même. Mais non, mais pas sur lui, mais. Mais espèce de con. Mais. Et j'espère que si notre Pokémon tombe KO, c'est pas la mort. Ah bah ça... Ça, moi j'esquive pas au KO, mais...
rien à foutre. Le Carlia me fait plus peur. Bon, le Carlia ça dégage. Et... Ouais, close combat, mais t'es sérieux. Au moins, on se tâche, moi. Bon, laser glace au Pantor, ouais. Ils ont tous 6 Pokémon en face. Et nous, qu'est-ce qu'on a ? Un Pokémon avec nous, et on peut choisir que 3 Pokémon de notre team. C'est tellement chiant. C'est dur. Lui, faut pas que je le loupe. Que je... Oh, moi je vais perdre, hein. Tu es fait monter ? Ah bah, il me reste plus qu'un seul Pokémon. Si je peux pas choisir les 3 autres, je suis fini. Parce que le meilleur Pokémon qui aurait pu les gérer, il est pas dedans. Oui, je l'attaque avant. Alléluia. Allez, ça dégage. Par contre, tu merci à Trancherbe d'avoir détruit Pokémon sur le terrain ennemi. C'est sûr que ça aide. Ça gère. Ah non, mais ça. Petite aura sphère. Ça gère. Oh putain, il m'a brûlé ce bâtard. Ça l'a pas géré. Oh putain. Mon retour fait pas si mal, heureusement. Heureusement, j'ai mal en moi. Non, pas mal. Oh, le coup critique. Par contre, c'est dommage que j'ai pas accès à X-Ray. Bon. Tac. J'ai pas envie de prendre le risque de retourner au centre Pokémon. Ça va presque gérer là. Et je me suis endormi, voilà. Ah bah évidemment le cardio, au revoir. Ce qu'il faut faire surtout c'est faut pas faire ça. Soit à gauche, soit à droite, mais vraiment. Pokémon. Pokémon. Ah comme ça tu passes en combat solo après. Du coup. Ah c'est ce que j'ai le combat solo, mais le marestre il me les vend tout, donc c'est bon. Avec un peu de chance, ça dépend des Pokémon qu'il a après. Oh putain, les Tauraptor, ça c'est bon. À part s'il a Eldacier ou Close Combat, ce qui est fortement probable. Close Combat il l'a. One shot, one shot, one shot, one shot. Oh là là ! Non, ça va. Oh, et mon attaque augmente. Ma défense augmente. Ouais, j'ai fait pouvoir antique, il y a tous mes trucs qui augmentent. Ça va aider ça. Et un Kyria pour finir. Hippopotas. Putain, j'ai bien fait de le soigner lui. Putain. Oh, psycho. Ah, il me fait bâillement. Oh, j'ai eu peur. Il aurait pu me faire une attaque sol pour me démonter. Allez, fini. Prions le dieu Charcos qui nous a sorti de ce guépier. Enfin, qui voilà. M'a sorti de ses pieds. T'as l'impression qu'il soit derrière ce con. Mmh. Je vais pas faire la même connerie. Je vais mettre mes meilleurs Pokémon en deuxième et troisième position. Au cas où. Ouais, enfin, ceci là parce que. Moi qui s'est foutu dans un sbire. What? Moi ça va. Pour le moment. Moi, si tu veux. Qui est au milieu en fait, au même emplacement. Tu veux. Non, moi ça va, il a pas bugué. C'est peut-être parce que toi tu t'es mis en bas. Sphère Alto, il vous fouette, ouais. Bon, on va gérer le Sphère Alto, hein, parce que. Ah, et on combat tout. Ah, c'est nous qui combattons tout seul. Ah, mais c'est mal foutu normalement, c'est pas nous. Ouais, on s'en fout. Tant mieux, bah oui. Et puis on bloque, laser glace. Pour une fois, je suis content que ce soit mal foutu. Ah, c'est plus que Kyria. L'onde folie qui est pour Charcos. Va-t-il me décevoir?
plus qu'à une chose est sûre, mon Roserade est abusé pour le moment. Les dresseurs étaient plus chiants que... Bah ça, comme à chaque fois. Ouais. Surtout le fait qu'il ait pas plusieurs Pokémon, notre Anduin. Et que nous, on nous laisse à 3. Bah. Si c'était logique, il nous mettrait à 5, au peut-être qu'il nous enlèverait 1. Et pas... pas 3. Si du moins votre Pokémon en retour aussi. Que ce combat il est pas très compliqué. J'arrive à one shot avec des attaques pas très efficaces, donc ça va. T'inquiète pas, la Dynamis, franchement, tu vas leur rouler dessus. J'espère bien. À part le Naceralto qui est un peu chiant, comme d'hab, hein. C'est le Pokémon le plus chiant, de toute façon. Jamais aimé ce Pokémon. C'est comme Zergash, j'ai jamais aimé, de toute façon. Sans nulle part. Pas de violence. De frime à pique. Ah oui, bah oui. Il veut plus nous parler. Il donne même pas d'œuf. Ah bâtard. Ah, j'ai plus de place. Ah bah tu vas attendre longtemps mon coco. À toi, il va te le donner l'œuf. Ouais. Ouais, il me parle plus. Ça bugue. Faut peut-être que je sorte et que je revienne, mais j'en ai un peu rien à foutre. Il pourrait attendre longtemps. Bon, et puis avec là, c'est pas comme si j'en avais déjà un peu. Ouais, et là-dedans, t'as une peau métal. Moi, ça me fait marrer parce que la dernière fois, tu sais, j'ai fait évoluer le Cizayox de l'autre gars, l'espagnol. Du coup, ça m'a remboursé le truc. Même si c'était pas franchement utile, mais bon. Toujours ça. Au cas où. Bon, je suis de retour à l'autre. Vous voulez faire la bibliothèque ou on s'arrête là pour le moment aujourd'hui? Oh, je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'est déjà cancer pour moi. C'est tout pour toi. Vaut mieux s'entraîner un peu avant. Surtout que là, ça va être le moment Galaxy un peu. Ensuite, Frimapic. Puis ensuite, un autre moment Galaxy. Un très long moment Galaxy d'ailleurs. Puis Giratina. Puis après Rivamar, puis après League Pokémon. Voilà. Donc bon. Tac. Et puis moi, pour la prochaine fois, bah, j'aurais entraîné tout ça. J'aurais peut-être changé de Pokémon, je sais pas. Parce que là, cette team, elle est... Il y a 4 Pokémon qui tiennent la route, mais 2 qui me font assez peur. Je suis plutôt content. Le pire, franchement, c'est le Corbos. Il serait à attaque. Il serait tellement bien. Mais là, peut-être que j'en cherche un autre. On verra bien. Tritosaur il fait il se fait tard. Bon, bon on attend le même hein. Ouais c'est toujours. De toute façon c'est jamais moi qui suis en retard. C'est pas comme si au début d'épisode j'étais pressé. Assez en retard.
Ah mais moi, il veut me donner 9, mais j'ai pas de place pour un Pokémon. Oui, bon, chiant. T'inquiète. C'est Lucario, mais... À part si tu le veux vraiment dans ta team. Ça fait plaisir, ouais. Bon. Est-ce que le Corbos que j'ai dans mon PC... Avec niveau 58, est-ce qu'il est meilleur? Par contre, je pourrais passer plus tard pour la... Enfin... Je veux dire, tu peux Pokémon, c'est Pokémon, et puis après, passer le revoir. Oui, tu pourras repasser le revoir, oui, ça y a aucun problème. Bien sûr. Putain, 0 IV en attaque, le Corbas que j'avais avant. Forcément. Oh là 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 là. Oh, bon, je sais, Magnézone. J'ai jamais pris de Magnézone dans la team. Ouais, ouais. Bon. Mais vous me direz quand vous voulez faire la prochaine, hein. Moi, je suis à peu près tous les soirs, comme d'hab. Toi, j'imagine que c'est le récital, tout ça, Zergas, ouais, comme d'hab. Tous les soirs. Hein. De quoi? T'as des récitals, juste comme ça, la semaine prochaine ou... Je sais pas. Non, moi, je bosse pas. T'as fini la semaine prochaine? Enfin, ce que t'as fait cette semaine là, c'est. Ah ouais, non, mais là c'est déjà fini depuis une semaine en fait là. Ah, d'accord. Le gars qui se met à la page. C'est à mi-mars là. D'accord, d'accord. Bon bah, et donc, bon, bah on est tranquille. Ouais. Bah, vous me dites quand vous voulez refaire ça. Hein, moi. Ça dépend de vos vies parce que moi j'ai pas de vie sociale, mais vous aussi sûrement. Donc bon, à la prochaine les gars. La bonne nuit. Bonne nuit. Ouais.